Bon matin à tous. Une belle vérification ce matin, mais je vais vous démontrer un problème qui arrive avec ces aspirateurs-là, les Roomba. C'est un modèle-là. Je n'ai même pas remarqué de numéro de modèle pour commencer. 24A. 2002-2007. Il y a quand même un petit peu d'âge, là, celle-là. Là. Mais il fonctionne numéro 1 pour le reste. Son problème, c'est que il n'est plus capable d'avancer. Il fait juste avancer. Même pas. Il fait juste tourner sur lui-même. Puis de temps en temps, il recule un petit peu. Donc, ça démontre qu'il n'y a pas de problème avec les moteurs, les roues, autrement dit. Si ça serait des roues, là, il continuerait à tourner tout le temps. Il ferait juste ça. Il ne serait même pas capable de reculer droite, autrement dit. Moi, il était capable de reculer droite un petit peu, puis il recommençait. Il y a un test à faire dessus pour vérifier si les bumpers en avant, parce que la première chose à vérifier, c'est si les pare-chocs en avant fonctionnent bien, les capteurs des pare-chocs. Parce que lui, il a toujours l'impression qu'il y a un capteur qui est enfoncé, puis il essaie de tourner pour l'éviter. Puis, dans ce cas-là, il y a un truc à faire avec ça. Je vais le fermer. Parce que là, il est plein de charge, il n'y a pas de trouble. Je vais maintenir le bouton Dock puis Clean en même temps ensemble. Puis je vais enfoncer le bouton Spot 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets dans ce cas-là le Roomba en mode test. Là, il est en test 0. Moi, j'ai besoin d'aller en test 2 pour pouvoir vérifier mes bumpers en avant. Fait que je vais peser une fois sur Dock. Test 1. Test 2. Il a fait tic-tic. Pour me dire qu'il est en dock. Et là, si je pèse sur le côté gauche, la lumière spot allume. Puis je la relâche, puis elle éteint. Je vais essayer de le côté droit. Oups, il y en a une qui ne marche pas. Fait que, côté gauche fonctionne. Côté droit, oups, il a essayé de marcher un coup. Je pense que j'ai un problème avec mon capteur de ce côté-là. Fait que je pense qu'on peut même pas les nettoyer ceux-là en plus. Ça, c'est beau. Quand je pèse ici, là, il fonctionne. Ok, c'est parce que je pèsais pas à bonne place. S'il resterait allumé, il y a de la misère, par exemple. Parce que là, s'il pogne ici, ça marche. Mais s'il pogne là, ça marche pas. Je vais probablement aller démonter ça pour voir s'il n'y a pas un problème en arrière de ça. Mais là, il n'est pas allumé. Fait que, selon les choses, il devrait fonctionner. Fait que je vais éteindre ça. Faut que je maintienne les deux boutons Spot et Dock ensemble pendant 10 secondes. Pour l'éteindre. Et voilà. Je vais le mettre à terre puis je vais l'essayer. Il vient de me dire qu'il est éteint. Si je l'essaye. Là, il reste sur place. Il tourne. Il recule un petit peu, il reste sur place. Il tourne. À un moment donné, ce qu'il va faire, il va arrêter complètement puis il va me donner un code 9. Il va beeper 9 fois pour me dire qu'il y a un problème avec les capteurs. Il a sonné 9 fois. Donc, il m'indique qu'il y a un problème avec les capteurs là-dedans. Fait que, c'est sûr et certain, il va falloir que j'aille vérifier pareil. On va remettre ça là. Il va falloir que j'aille vérifier pareil le bumper ici. Mais il y a un problème interne avec les capteurs infrarouges. Ça, il faut les remplacer. Il y a une façon qu'on peut les remplacer là.
Ça va être une vidéo en partie 2 parce qu'il faut que je les commande. Mais là, pour le moment, je vous ai montré comment déterminer c'était quoi le problème avec cette machine-là ici. Je vais l'éteindre encore, puis je vais réessayer parce que je trouve ça bizarre que lui... je vois qu'il y a de la poussière, par contre. Il y a peut-être de la saleté en dessous, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en va là. Il allume. Il allume pas. Il allume quand je pèse ici. Mais c'est pas une question que lui a plus de misère pour de détecter que d'autres choses. C'est pas parce qu'il est collé. S'il arrêtait tout le temps allumé comme ça, là, il y aurait eu un problème vraiment avec le capteur. Lui, il s'imagine tout le temps qu'il est en train de frapper quelque chose, là. Fait que, mais là, c'est l'inverse. Donc, il y a vraiment des petits problèmes à régler dedans. Je vais en parler au client. Je vais sortir le prix que combien ça coûte pour faire ça. Puis, s'il le fait réparer, je vais revenir avec une seconde vidéo. Mais vous avez vu comment est-ce que je détecte ça. On va l'éteindre, spot et dock enfoncé pendant 10 secondes pour le sortir du mode test. Et voilà. À suivre.